بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فما زلنا في حقوق الزوج على الزوجة الرابع المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها وقوله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه يعني لا يدخلن ولا يسمحن بالدخول أحدا تكرهونه يعني من الصديقات وغير ذلك. Donc quatrièmement, le quatrième droit de l'époux, c'est que la femme doit préserver la maison, les biens et les enfants de son mari et donner une bonne éducation à ses enfants. Donc on voit que s'occuper de ce qui est l'intérieur, s'occuper du foyer et des enfants, ça c'est le devoir de la femme. C'est un droit que le mari a vis-à-vis de la femme. Donc c'est la femme qui doit s'en occuper. Donc il y a le hadith qui dit chacun d'entre vous est un berger et chacun sera questionné ou est responsable an ra'ayati de son troupeau ou plutôt de ceux qui sont sous sa responsabilité. Et après il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et la femme est responsable dans la maison de son mari et elle sera questionnée ou responsable de ceux qui sont sous sa responsabilité an ra'ayatiha, donc c'est-à-dire les enfants et la maison. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'autre hadith qui a dit et vous avez comme droit sur elle qu'elle ne fasse pas piétiner vos couches à quelqu'un que vous détestez. C'est-à-dire qu'elle ne fasse pas asseoir chez vous, et donc qu'elle ne fasse pas entrer dans vos maisons quelqu'un que vous ne voulez pas. Donc parmi ses amis ou des amis à elle qu'elle voulait faire, on a le droit en tant qu'homme de choisir et de dire que une telle et une telle, ou un tel parmi les hommes de sa famille, etc., pour une raison qui est permise dans la religion, n'entre pas à la maison. Khamisan, al-mu'asharatu bil ma'ruf wa husnul khuluq wa kafful adha an. Cinquièmement, c'est le fait de bien traiter son mari, d'avoir un bon comportement avec lui et de ne pas lui nuire. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تُؤْذِي مْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا وَالدَّخِيلُ الضَّيْفُ وَالنَّزِيلُ. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Cinquièmement, on vient de le dire, mais la preuve c'est le verset, le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une femme ici-bas fait du mal à son mari, sa femme qui est au paradis, c'est-à-dire celle qui l'attend au paradis, dit ne lui fais pas de mal qu'Allah te combatte, car ce n'est qu'un invité chez toi et bientôt il va te quitter pour venir chez nous. C'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui est chez toi de passage et il ne va pas tarder à te quitter pour venir chez nous. Thalithan, al-huquq al-mushtarakatu bayna az-zawjayn. Troisièmement, les droits qui sont communs à l'époux et à la femme. Aghlab al-huquq al-madi dhikruha huquq al-mushtarakatu bayna az-zawjayn wa bi khassatin haqq al-istimta' wa ma yatba'uhu min huquq wa kadha tahsin kulli min az-zawjayn khuluquhu li sahibihi وتحمد أذاه ومعاشرته بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله يعني لا يماطل الزوج لا يماطل زوجته. ما معنى المماطلة؟ هي المطالبة بشدة، يعني دائما يطالبها بحقها ويشدد في بحقه ويشدد في مطالبة حقه ويتكره لبذله يعني هو يشدد في مطالبتها حقه ولكن هو يبخل ويتكره أن يبذل ما عليه من حق الزوجة وكذلك العكس. ولا يتبعه أذى ومنة يعني إذا بذل حقها لا يتبع ذلك أذى ومنة يعني إذا أحسن إلى زوجها وعاملها بالمعروف لا يمن عليها بعد ذلك بأن يذكر ذلك لها، يقول أنا فعلت لك وأنا اشتريت لك وأنا أطعمتك وأنا كذا وكذا، هذا يسمى المن. وكذلك لا يؤذيها
معتمدا على الخير والإحسان الذي بذله، كالذي مثلا يحسن إلى زوجته فإذا أحسن إليها كأنه يرى أنه الآن بعدما أحسن إليها وأدى حقها له أن يؤذيها ويسيء إليها، هذا كله خطأ. وكذلك العكس طبعا، الزوجة مع الزوج، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي، يعني كل هذه الأدلة عامة ولها معاني كثيرة وسبقت. كما يسن للزوج، هذا موضوع آخر نتركه. Donc il dit troisièmement, la plupart des droits qu'on vient de citer sont des droits communs entre les deux époux, surtout le droit de la jouissance, c'est-à-dire le droit de profiter l'un de l'autre, et tout ce qui suit cela comme droit, comme le fait de parfaire son comportement avec l'autre. Donc le fait que l'homme a le droit de profiter physiquement de son épouse, et que la femme également, l'homme doit lui donner physiquement ce qui va accomplir ses besoins, assouvir ses besoins, ça c'est un droit qui est commun aux deux en vérité. Et également le droit au bon comportement et de s'efforcer à avoir un bon comportement avec l'autre, c'est un droit qui est valable et un devoir pour les deux. Donc il dit « La yumatilu bihaqihi wa la yatakarrahu li badlihi » C'est-à-dire, l'un des deux époux ne doit pas insister lourdement pour avoir son droit de l'autre, alors que lui, il est avare pour donner son droit à l'autre. C'est-à-dire que toujours il va insister et il va être pointilleux sur le fait que sa femme elle lui donne son haq, mais lui, il est avare et il retarde toujours et il essaye au maximum de qu'elle laisse tomber ses devoirs. Donc là, c'est « al-mumatala ». Et ça ressemble aussi à la parole d'Allah « wa'ilun lil-mutaffifin » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Donc ça c'est un genre de tatfif. Lui il veut pas donner son haq, mais il le demande de façon pointilleuse. Et c'est la même chose pour la femme. Et aussi quand il remplit le droit de sa femme, ou quand la femme remplit le droit de l'homme, il faut pas faire suivre ça par al-man. Al-man c'est le fait de rappeler le bien qu'on a fait. Ou alors al-adha, c'est-à-dire la nuisance. Donc quand l'homme il fait du bien à sa femme par son argent, par son comportement, il ne doit pas lui rappeler. Il ne doit pas lui dire par la suite, ouais mais regarde moi je t'ai acheté ça, oui mais regarde moi je me comporte bien avec toi. Et il ne doit pas non plus profiter du bien qu'il lui a fait pour lui faire du mal. C'est-à-dire dire, après tout je lui ai fait tellement de bien qu'il considère qu'il va avoir un droit maintenant d'être mauvais avec elle, à cause de tout le bien qu'il lui a fait. Donc le bien qu'on fait à son épouse et le bien que l'épouse fait à son mari, il ne doit pas être suivi de l'man, c'est-à-dire de lui fait de lui rappeler, dans le sens d'être au-dessus de lui et de lui rappeler quelque chose qui est contre lui et qui lui incombe. Et il ne doit pas être suivi non plus de nuisance. Donc il a répété les versets qu'on a déjà vus, comme le verset qui dit « Fréquentez-les convenablement » ou alors le verset qui dit « Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs de façon convenable. » Et le hadith qui dit « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. »« Thumma qal, kama yusannu li zawji imsaku zawjatihi hatta ma'a karahatihi laha. » Li qawlihi ta'ala « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'ala allahu fihi khayran kathira. » Rubbama takrahun antum. » أن تبقوا مع هذه الزوجة ولكن الله عز وجل جعل فيها بركة وخيرا كثيرا فيسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كرهته لها، يعني إذا كرهها وكره البقاء معها ولكن هذه الكراهة لا ترجع إلى نقص في دينها أو إلى عصيان منها وإنما يرجع إلى شيء هو من طبيعة الإنسان أو شيء في جمالها أو في غير ذلك يستحب له أن لا يفارقها بل يبقى ويصبر معها لأن الله عز وجل قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا يعني ربما تكرهون شيئا يعني
المقصود هنا المرأة ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ensuite il dit il est recommandé à l'homme de garder sa femme même s'il ne l'aime pas. Ma'akarahatihi, c'est-à-dire même si il ne l'aime pas. Il est al-karaha, c'est-à-dire il la déteste, il l'aime pas. Il la déteste, c'est un peu fort. C'est plutôt dans le sens que il l'aime pas, il y a quelque chose entre eux. Il lui est recommandé quand même de la garder. Conformément au verset qui dit fréquentez-les ou traitez-les convenablement, et si vous les détestez, eh bien peut-être qu'Allah, peut-être que vous détestez une chose et qu'Allah y a mis beaucoup de bien. Donc la personne ne sait pas, peut-être qu'elle déteste rester avec cette femme et que c'est lourd pour lui, mais qu'Allah a mis beaucoup de bien dans cette femme. Donc ça bien sûr c'est dans le cas où il la déteste pas pour quelque chose de religieux. Si c'est parce qu'elle ne met plus le hijab, ou parce qu'elle a abandonné la salat, ou qu'elle le traite comme moins que rien, là on ne lui dit pas non, il t'est recommandé de patienter avec elle. Mais si là on parle du fait qu'il la déteste par exemple, ou qu'il n'aime pas rester avec elle, pour quelque chose qui fait simplement partie de la nature des humains. Une personne peut ne pas aimer rester avec une autre sans qu'elle ait quoi que ce soit à lui reprocher. C'est quelque chose de naturel. Il va aimer rester avec un tel, et il va pas aimer rester avec un autre. Et ça peut arriver avec sa femme. Donc il n'a pas forcément d'affinité avec elle, ou alors elle ne l'attire pas, etc. Et bien, à ce moment-là, il lui est quand même recommandé de rester avec elle et de préserver son mariage. Car, comme Allah l'a dit, peut-être qu'Allah a mis beaucoup de bien dedans. Et effectivement, quand on le voit, on voit beaucoup de personnes, par exemple, qui ont hésité à divorcer, mais pour des causes qui étaient faibles. Et après que les années elles soient passées, tu les vois, et ça on les voit autour de nous. Ils te disent, j'ai bien fait de rester avec elle, ou alors par exemple il a eu des enfants, ou d'autres choses, beaucoup de baraka par la cause de cette femme, malgré qu'il n'avait pas forcément envie de rester avec elle. En plus, on pourrait rajouter aussi, par rapport à la situation dans laquelle on vit maintenant, c'est qu'il vaut mieux rester avec une femme, peut-être par qui tu n'es plus attiré physiquement, ou avec qui tu n'as pas particulièrement d'affinité. Et quand vous discutez à deux, c'est pas les éclats de rire, vous vous entendez pas particulièrement bien, mais elle te respecte, tu la respectes, tu as confiance en elle, elle fait ses prières à l'heure, elle met son hijab. Parce que si tu te bases sur ces petits détails, même s'ils sont un peu lourds à supporter pour la divorcer, pour te séparer d'elle, tu sais pas sur quoi tu vas tomber demain. Là je parle surtout par rapport à notre situation, c'est-à-dire dans le pays où on vit et à l'époque où on vit. Il vaut mieux garder ton capital que le lâcher et investir dans quelque chose qui est inconnu. Parce que c'est pas évident maintenant de trouver une femme qui est pieuse, qui est bien éduquée, etc. Donc il vaut mieux préserver ce qu'on a comme khair et se baser dessus, et que de miser sur l'inconnu. Et beaucoup de personnes y font ça et après ils sont déçus. Et ils disent, si seulement j'avais gardé ma première femme qui me respectait, qui m'obéissait, qui était gentille, qui nettoyait bien la maison, qui faisait à manger, qui savait recevoir des invités, etc., etc. Mais pour des petits détails comme ça, il va divorcer et à la fin il va se retrouver avec une fille. Peut-être il a été attiré par sa beauté ou alors par le changement, etc. Mais ça finit en catastrophe. Al-mas'alatul khamisa, i'lanun nikah. La cinquième question, c'est le fait de publier, de rendre public le mariage et d'informer du mariage. يُسَنُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ وَإِظْهَارُهُ وَإِشَاعَتُهُ وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالدُّفْءِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الصَّوْتُ وَالدَّفْءُ فِي النِّكَاحِ. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. إذن نعيد الكلام. يسن إعلان النكاح. إعلان النكاح يعني أن نجعل النكاح معلنا حيث يعلمه الناس ونخبر عامة الناس بهذا النكاح. والضرب عليه بالدف. الدف أو الدف. والدف آلة معروفة يعني يضرب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت
والمراد بالصوت هنا ما هو الغناء والدف في النكاح الغناء مع الدف يعني هذا فرق بين السفاح والنكاح بين الحلال والحرام لأن الحرام يعمل خيفة فالحلال والنكاح لا ينبغي أن يفعل خيفة وإنما ينبغي أن يعلن ويخبر الناس به ويشاع بين الناس حتى يعلم الناس أن فلان صار زوجا لفلانة وأن فلانة صارت حلالا وزوجة لفلان هذه هي الحكمة في إعلان النكاح أن يفرق بينه وبين الزنا وكذلك أن يعلم الناس أن هذه المرأة صارت حلالا وزوجة لفلان ولنعلم أن بعض العلماء يرون أن النكاح إذا أخفي أثم الزوج والزوجة يعني بعض العلماء يقولون أنه لا يجوز أن يخفى النكاح يعني أن يخفوا النكاح ولا يعلموا أحدا به ولا يشاع وبعضهم قالوا إذا تعمدوا ذلك بطل النكاح وهذا في مذهب من؟ في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني في مذهب الإمام مالك لابد أن يعلن بالنكاح حتى يكون صحيحا إلا في بعض الأحوال لكن حتى لا نطيل هذا فقط كلام أذكره إجمالا ثم قال ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال الدف هو الآلة المعروفة التي يكون الجلد فيها من جانب واحد في بعض الآلات نجد الجلد في الجانبين وبعض هذه الآلات تعلق حولها حديدات تعمل وتنتج صوتا معينا أما الدف الجلد في جانب واحد هذا الذي يحل أما بقية المعازف فهي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري معنى الحديث سيكون قوم من أمتي يستحلون الحر والحر معناهما ما هو الزنا الحر والحرير والمعازف فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم من أمتي يستحلون المعازف إذن المعازف ما هي حرام لأنه قال سيأتي قوم يستحلونها يقولون إنها حلال مع أنها حرام ولكن الشرع يعني الدين أحل الدف في موقف وهو إعلان النكاح وقال هنا وكذلك الغنى يعني يجوز أن يتغنى الإنسان في مثل هذه المناسبات بشرط أن لا يكون في غنائه كلام فاحش وكلام لا ينبغي وكلام ماجن أما الكلام الذي فيه ترحيب وكلام طيب وتبشير ومثل هذه الأشياء هذا الذي يحث عليه في مثل هذه المناسبات إذن الدف مع الغناء المباح شرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع ما يخالف الشرع كالشرك مثلا أو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الصالحين يعني كثير من الناس تجد في أشعارهم وفيما يغنونه غلو إما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيغلون في النبي حتى يجعلوه بمنزلة الرب سبحانه وتعالى فيقولون إنه يعلم الغيب أو من أجله خلقت السماوات والأرض أو يعلم أو ينفع ويضر من دون الله إلى آخره فهذا كله من الشرك فيجتنب أو ما يخالف الشرع من البدع أو من المنكرات كالدعوة إلى الزنا أو وصف عورة النساء في الأشعار أو في الغناء وغير ذلك هذا كله ما ينبغي الذي ينبغي هو الكلام الذي فيه خير فيه تبشير فيه ترحيب يعني كلام طيب إلى آخره وهذا معروف في الناس لا قال الضرب بالدف ما قال للرجال وما قال للنساء وكذلك إذا نظرنا إلى الحكمة من ضرب الدف ما هي الإعلان والنساء إذا ضربنا بالدف أين يقع في مكان
خفي بين الجدران وبين النساء، فهذا لا يكون معه إعلان، يعني النساء إذا غنينا وضربنا بالدف ما نسمعها حتى يكون الزواج معلنا. فلذلك الصحيح والله أعلم أن الدف يكون للرجال كذلك والغناء، حتى يعلم أن فلان تزوج، لأن الرجال لا بأس لهم أن يضربوا بالدف وأن يغنوا أمام الناس كلهم حتى وفي الشارع، أما النساء فلا، ممنوع أن نسمعهم يغني أو يضربن بالدف. لذلك الصحيح والله أعلم أن يقال الدف يكون حتى للرجال، وكذلك الغناء، الغناء الطيب طبعا الحلال. ولكن وهذا الكلام هو نص مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله ما فرق في ضرب الدف بين الرجال وبين النساء، بل قال إنه يجوز للنساء وللرجال. ولكن بعض العلماء ذكروا أنه يرجع إلى العرف، وهذا كلام من الشيخ العثيمين رحمه الله، يذكر أن هذا يرجع إلى العرف. ما معنى العرف؟ يعني إذا تعارف الناس في مجتمع ما في زمان ما أنه لا يضرب الدف إلا النساء، إذن هنا لا ينبغي أن يضرب الرجال، لأنه صار تشبها بالنساء، والعكس بالعكس. يعني إذا كان هذا المجتمع تعارف الناس فيه أن لا يضرب إلا الرجال فلا ينبغي للنساء أن يضربنا، أما إذا تعارفوا أن الكل يضرب فالمجال مفتوح والباب مفتوح، وهذا أمر واسع، وكذلك هو المناسب للحكمة من ضرب الدف. أما إذا حصرنا ضرب الدف في النساء فلا يصير حينئذ إعلان. Ensuite il dit ici, il est recommandé d'extérioriser et d'informer et de répandre la nouvelle du mariage et de taper du douf lors du mariage. Donc il a cité ici le hadith qui est dans le Mousnad de l'imam Ahmed et les Sunan de Tirmidhi al-Nasa'i, et Cheikh al-Albani rahimahullah dit que c'est un hadith hassan. Le hadith dit: la différence entre le haram, l'interdit, et le halal, le licite, c'est la voix et le fait de taper le douf dans le mariage. La voix, c'est-à-dire les chants, et le fait de taper le douf. Donc la sunna, et ce qui est demandé, c'est que on différencie le mariage des relations illicites par le fait qu'il soit extériorisé. Donc le mariage doit être affiché, annoncé, répandu, etc., etc. Et on peut utiliser des moyens tant qu'ils sont licites et tant qu'il n'y a pas de israf, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de gâchis d'argent, etc. dedans. Comme par exemple le Cheikh Al-Uthaymeen, il cite par exemple le fait que le marié sorte de la maison avec une lampe à l'époque où il n'y avait pas de lampadaire dans la rue. Il dit ça par exemple, c'est bien, parce que ça, c'est une coutume. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas une ibada, c'est simplement une coutume pour annoncer le mariage et pour que les gens sachent qu'il y a eu un mariage. Cheikh, il parle même du klaxon quand il parle de ça, mais il dit simplement le klaxon, le problème, c'est que ça dérange, ça fait trop de bruit. Ensuite, donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que zina, la fornication, c'est quelque chose qui se fait en cachet. Donc le mariage ne doit pas être comme zina, ça doit être quelque chose qui se fait publiquement et qui est connu et annoncé à tout le monde. Et il faut savoir que certains savants considèrent même qu'il est interdit et que c'est un péché de ne pas faire al-i'lan, c'est-à-dire qu'ils ne le voient pas simplement recommandé, mais ils le voient comme étant obligatoire. Et certains savants, comme c'est cité comme étant le madhab de l'imam Malik, considèrent même que si c'est pas fait et s'ils ont fait exprès de ne pas le répandre, sans excuse valable, le mariage n'est pas valable, parce qu'ils disent qu'il faut que le mariage soit répandu pour qu'il soit licite et que les gens le sachent, donc que les gens sachent qu'une telle est bel et bien devenue licite pour un tel. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce sera fait par les voix, c'est-à-dire les chants et le douf. Le douf, ou on peut dire aussi ad-daf, c'est une sorte de tambour où la peau n'est que d'un seul côté. C'est-à-dire de l'autre côté on a le bois et d'un seul côté on a la peau. Donc c'est cet instrument spécialement qui a été rendu licite dans cette occasion spéciale.
Sinon, on sait que le reste des instruments de musique dans l'islam, il est interdit. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, il viendra des gens dans ma communauté qui rendent licite la soie, la fornication, l'usure et les instruments de musique, al-ma'azif. Mais il a fait une exception pour ad-douf lors de ce qu'on appelle al-munasabat, c'est-à-dire les occasions, en l'occurrence le mariage. Ensuite, dans le livre, il a dit, et le fait de taper le douf, c'est pour les femmes et non les hommes. Ça, en réalité, c'est très discutable, ce qu'ils ont dit ici. C'est ce qui est connu chez beaucoup de gens. Mais en réalité, quand on regarde le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé le douf et il n'a pas spécifié que c'était pour les femmes ou que c'était pour les hommes. Donc, premièrement, le hadith, il est général. Aussi, l'imam Ahmed, rahimahullah, il a clairement dit qu'il n'y avait pas de différence dans le douf entre l'homme et la femme et qu'il était licite pour les deux. En plus, on peut rajouter aussi que c'est ça qui convient à la sagesse qu'il y a dans le douf. Parce que comme on a dit, le douf, il sert à quoi? À faire connaître le mariage. Le douf et les chants. Or, les femmes, quand elles chantent et qu'elles tapent du douf, c'est dans un cercle restreint. Elles ne doivent pas le faire dehors. Donc, quand bien même les femmes chanteraient et taperaient du douf, il n'y aurait pas d'Irlen. Ça ne ferait pas une publication du mariage. Donc, ça prouve que c'est bien les hommes qui doivent le faire. C'est les hommes qui, lorsqu'ils vont taper du douf et chanter, eh ben, ça fera connaître le mariage aux gens. Parce qu'on va les entendre dans la rue, etc. etc. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il a rajouté une condition. Il a dit, à condition que dans la société, c'est-à-dire dans le urf, dans les coutumes des gens qui sont concernés, ça ne soit pas spécifique aux femmes. C'est-à-dire que si dans une société précise, il n'y a que les femmes qui tapent du douf, et c'est une caractéristique des femmes, alors les hommes ne doivent pas en faire, parce que ça serait ressembler aux femmes. Et l'inverse, si c'est que les hommes qui le font dans une société, les femmes ne doivent pas le faire, parce que ça serait ressembler aux hommes. Mais s'il n'y a pas de tout ça, eh bien c'est licite, pour les hommes comme pour les femmes. Ensuite, il dit ici, à condition que il n'y ait pas de turpitude, de vulgarité dans les paroles ou de choses qui contredisent la religion. Donc dans les poèmes ou les chansons qui vont être chantées, il ne faut pas qu'il y ait la description par exemple de la nudité des femmes, comme ça existe dans certains poèmes arabes classiques. Ou alors d'appel à la fornication, à l'érotisme, et à l'amour, etc., etc. Tout ce qui peut appeler à zina et qui va réveiller les désirs chez les gens. Et il ne doit pas non plus avoir ce qui contredit la religion comme du shirk par exemple. Comme le fait d'exagérer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il connaît l'invisible ou qu'il détient la possession ou qu'il peut nuire ou être utile en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc quand il n'y a pas tout ça, tout ce qu'on vient de citer, c'est licite et c'est même demandé. Donc de là on se rend compte qu'en fait les mariages que la plupart d'entre nous comment on les fait, ils ne sont pas sunnah à 100%. Parce que certes, on s'est écarté de ce qui est haram, on s'est écarté du DJ, du groupe de raï, de la mixité, etc. Mais on n'a pas fait la sunna, qui est de taper du douf et de chanter des poésies et des chansons dans lesquelles il y a des bonnes paroles. Il y a le fait de, par exemple, de féliciter les familles, etc., des réjouissances. Aussi, on peut mentionner, c'est une parenthèse, ce que certains groupes y font, comme par exemple, c'est très présent chez ce qu'on appelle l'Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, qui essaye toujours de sensibiliser les gens à certaines choses politiques, comme la question de la Palestine, ou les questions de certains de leurs têtes qui ont souffert dans les prisons, etc., etc. Et eux, ils ont une habitude, ça ici on ne le voit pas trop, mais ça existe au Maghreb, ça existe par exemple en Algérie, etc., chez ces gens-là, c'est que dans les mariages, alors qu'on serait censé chanter des chansons qui réjouissent, et eux, ils viennent et ils te chantent des chansons sur ceux qui sont en prison en Palestine, qui se font torturer en Égypte, etc., etc. Et ils disent, et après ils vont prendre comme argument que c'est la sunna de chanter et de taper du douf dans les hadiths. Mais là, c'est sunna qui contredit. C'est pas vraiment la sunna. Parce que c'est contraire à la hikma de al-munasaba, c'est-à-dire l'occasion qu'on est en train de vivre. C'est un mariage, c'est une fête, c'est les gens ils se rencontrent, ils mangent ensemble, ils se réjouissent, ils sont heureux. Et quelqu'un il se lève et il va nous chanter des gens qui se font torturer dans des prisons. C'est n'importe quoi.
c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sunna, ce qu'on trouve, hein, ce sont des chants qui sont des chants qui rappellent le bienfait de l'islam, ou alors des chants dans lesquels il y a des bonnes, des réjouissances, etc. C'est ça qui est voulu dans ce genre d'occasion. Ensuite, il parle de l'walima, etc. Bon, on va s'arrêter là. Barakallahu fikoum. Donc la fois prochaine, on va parler de l'walima, et après on rentrera dans tout ce qui est question des séparations, al-khula et le talaq. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه